Maintenant, nous avons déjà fait quelques annonces pour dire que le programme démarre à partir d'aujourd'hui, le 30 jusqu'au 7 mai, 30 avril au 17 mai 2024. Alors, la mission du groupe Jésus revient au Gabon va se dérouler en deux étapes. La première étape concerne l'église de Libreville. Amen. Cette église a été déjà établie depuis plus de 2 ans, n'est-ce pas? L'église de Libreville doit avoir 2 ans, mais dans sa deuxième année. Alléluia. Amen, amen. 2 ans et demi. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Donc la deuxième étape va porter directement sur Port-Gentil. Amen. Lorsque nous étions venus pour la toute première fois, nous n'avons pas eu vraiment le temps qu'il faut pour aller réveillé Port-Gentil. Et ils étaient dans l'attente, comme cette femme qui est dans l'attente de l'accouchement. L'accouchement, c'est dans quelques heures. Amen. Amen. Donc, tous les bien-aimés de Port-Gentil, vous êtes au programme pour cette fois-ci. Amen. Donc, alors, comment ça va se passer la mission au Gabon, comme je vous l'ai dit, première étape, deuxième étape. Alors, la première étape concerne encore Libreville qui démarre à Paris aujourd'hui, du 29. Le 30 jusqu'au la semaine prochaine au vendredi 10. Voilà. C'est du vendredi 30, du 30 avril au vendredi 10 mai 2024. Donc tout ce temps-là, nous allons consacrer ça sur l'église de Libreville. Quand on parle de Libreville, c'est pas comme on a laissé dans l'église. Non, ça concerne la ville de Libreville, les âmes qui ont été dispersées. Les âmes qui sont parties pour des raisons ou d'autres. Les âmes qui ont été emportées par les vents de fausse doctrine. Les âmes qui ont été portées par les divisions. Tout ce que vous savez déjà, le Seigneur nous envoie pour restaurer son église. Il nous envoie pour rassembler les brebis perdues du troupeau. Amen. Donc, ce travail va se faire pendant tout ce moment-là. Alléluia. Alors, comment nous allons faire les choses? Premièrement, nous aurons un vaste programme réveil sur l'église. Alléluia. Et ce programme est tiré du livre d'Ésaïe 58, verset 12, qui dit: les tiens rebâtiront sur d'anciennes rues. Alléluia. Le Seigneur, quand il voit son église, il voit que son église est ruinée. L'ennemi est venu ruiner son église, mais lui, Dieu Tout-Puissant, il va rebâtir là où l'ennemi pense que c'est fini. Il va donner vie aux ossements desséchés de l'église de Libreville. Amen. Donc, c'est un grand programme de réveil, de repentance, programme de réconciliation, programme de restauration, programme de baptême de feu. Amen. Donc, toi qui es parti, je ne sais quoi, mais Jésus ne t'a pas fait sortir. Jésus ne t'a pas chassé. Si c'est les hommes qui t'ont chassé, si c'est les hommes qui t'ont découragé, est-ce que Jésus t'a chassé? Est-ce que Jésus t'a découragé, bien-aimé? Donc, je t'invite à ce programme. Oublie les rancœurs, oublie les situations conflictuelles. Oublie, on m'a fait ci, on m'a fait ça. On a compris que ça à Jésus. Amen. La Bible dit qu'il était, il avait la bouche fermée. On le conduisait jusqu'à l'abattoir, la croix. Il a été crucifié. Pourtant, il a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils leur font. Amen. Donc, nous allons commencer ce programme à partir de demain. Demain, 1er mai, jusqu'au 7 mai. Donc, du mercredi au dimanche,
Le mercredi déjà, nous allons engager l'église dans un moment de jeûne. Alléluia, jeûne d'affût. Donc toute l'église, tous ceux-là qui veulent vraiment être restaurés, qui veulent être touchés, vraiment qui ont constaté que vraiment leur vie est devenue une ruine. Hier, ils étaient vraiment tout enflammés, aujourd'hui ils sont refroidis. Hier, ils étaient parmi ceux-là qui annonçaient l'évangile, qui priaient, qui dépouillaient les prostituées des ornements. Mais aujourd'hui, ils se sont refroidis parce que leur vie est devenue ruine. Si tu es conseillé, bien-aimé, prends ce programme de jeûne qui va démarrer demain. C'est un programme de jeûne d'avril qui va prendre 3 jours, c'est-à-dire du mercredi, jeudi et vendredi. Alors, le premier jour, le mercredi, nous allons rompre le jeûne à 17h et nous allons voir l'église à 18h. Alléluia, 18h00. Ouais. Amen. Quand on dit 18h, c'est 18h. Donc, quel que soit le climat, amen, quel que soit le climat du mercredi, du jeudi, du vendredi, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il tombe du feu du ciel, il faut venir. Amen. Il ne faut pas regarder parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid. En tout cas, le salut là. Amen. Habit dit que le salut s'arrache. Si tu restes là, tu penses que ce n'est plus qui t'empêche, bien aimé. Les gens ont voyagé, ont quitté l'Éthiopie pour aller jusqu'à Jérusalem parce qu'ils nous la sagesse. Amen. Donc, vous êtes invités demain à partir de 18h pour le premier jour. Parlez aussi pour jeudi à 18h. Amen. Et le vendredi, ce sera le dernier jour que nous allons consacrer à un moment de veillée, à une veillée de prière. Amen. Un moment de prière intense, de combat spirituel, de combat pour la délivrance, la guérison, la restauration. Les vies qui sont bloquées, les vies qui sont cachées. Le Seigneur, par sa main puissante, va libérer cette vie-là. Donc ne rate pas cette veillée. Ne rate pas ce programme de veillée qui va commencer le vendredi prochain. Le vendredi 3, je crois. Hein. 3 mai, à partir de 22h00 jusqu'à l'aube. Nous allons prier de 22h jusqu'à ce que le soleil se lève. Alléluia. On va prier comme Moïse sur la montagne avec Hur et les autres. Donc, bien aimé, tu es invité. Invite aussi tes parents, tous ceux-là que vraiment tu veux aussi qu'ils participent, qu'ils communiquent. Alléluia, au repas du Seigneur Jésus. Parce que le dimanche, nous aurons le repas du Seigneur. Le repas, c'est quelque chose de très, très important. Amen. Ça nous permet en réalité de renforcer notre union, notre communion avec le Seigneur. Mais avant le dimanche, le samedi déjà, nous irons aux eaux de baptême pour ceux-là qui veulent prendre l'engagement de marcher en Dieu. Là qui veut prendre l'engagement de tous les taux définitivement au monde, et désormais la croix est devant eux. Donc juste après la veillée, nous allons nous diriger aux eaux de baptême pour recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est très important, je veux accentuer sur cela. Amen. Le baptême, c'est recommandé selon la sainte doctrine. Quand on parle de la sainte doctrine, nous parlons de la parole qui sauve. Nous parlons de la parole que Jésus a laissée à son église. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous a mandatés comme les défenseurs de la sainte doctrine, les défenseurs de la vérité. Amen. Donc, le baptême doit être fait selon les normes de la sainte doctrine, lesquelles c'est le baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu as été baptisé sous appellation, bien aimé, ton salut est engagé. Humilie-toi et reconcilie-toi avec le Seigneur pour recevoir le vrai baptême, parce que si tu ne reçois pas le vrai baptême, tu ne pourras pas être sauvé. Parce que la Bible dit, le baptême sauve. C'est ce que Pierre nous a dit dans Pierre 3, verset 21, que cette eau qui est une figure du baptême qui sauve. Alléluia. Donc le baptême sauve. Si quelqu'un t'a dit que le baptême ne sauve pas, tu es la personne dans l'erreur et veut tenir dans l'erreur. Alléluia. Alors, en dehors de tout ça, nous voulons aussi donner quelques précisions, parce que nous sommes là, le Seigneur nous a envoyé comment. Son cœur, il envoie son cœur à Libreville. Quand je parle du cœur du Seigneur, c'est la compassion du Seigneur pour les âmes. Donc les âmes affligées, les âmes qui sont en difficulté, ceux qui ont des situations spirituelles compliquées, qui désirent vraiment rencontrer le Seigneur, alors nous sommes disposés pendant tout ce programme-là pour vous écouter, pour vous entretenir avec vous, vous orienter et vous communiquer la guérison, la paix du Seigneur Jésus. Donc nous sommes là, nos contacts sont disponibles pour vous donner plus de précision sur cela. Alléluia. Alors, donc, après ce programme de réveil sur l'église de Libreville, la semaine qui suit, après le 6 mai,
jusqu'au jeudi 9 mai, nous allons organiser un grand programme similaire, alléluia, sur l'église de Libreville. Les deux premiers jours, nous allons consacrer ce séminaire pour former, renforcer encore les serviteurs de Dieu, les ouvriers. Alléluia. Pour les préparer davantage encore à mieux donner. Parce que le but c'est de donner plus de résultats. Alléluia. Nous n'allons pas être comme celui qui a reçu le talent qui est parti caché parce qu'il ne sait pas comment l'utiliser, comment le fructifier. Non. Le Seigneur veut vraiment que nous rentabilisons ce qui nous donne. C'est pourquoi il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Parce que les sacrificateurs ont rejeté la connaissance. C'est pourquoi le peuple périt. Donc, en tant que berger, en tant que serviteur, en tant que futur serviteur, ouvrier, ouvrière, vous êtes invité à ce programme de séminaire de formation. Amen. Et le mercredi, nous allons rencontrer toutes les femmes. Amen. Les femmes. Parce que les femmes ont un grand rôle dans l'église, dans le ministère. Les femmes jouent un grand rôle. Parce que les gens beaucoup ont mal compris le rôle de la femme. Ils disent non, la femme, oh, le Seigneur l'a écarté de tout. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, le Seigneur a accompli tellement de tâches, plus que les hommes dans l'église. Ce que les femmes voient, ce que tout le monde voit, c'est que les femmes doivent prêcher. Oh, c'est pas ça. C'est tout. Les femmes n'ont pas reçu un ministère d'autorité, un ministère de prédication dans l'église. Amen. Elles peuvent évangéliser, elles peuvent conduire les enfants, elles peuvent instruire les jeunes filles, aller les jeunes soeurs, qui sont mariées. Amen. Elles sont pleines de tâches. L'église doit être propre, c'est les femmes. L'église doit être nourrie, c'est les femmes. Les serviteurs doivent aller en mission, c'est les femmes. Voyez, les femmes sont partout. Donc, on aura un moment de séminaire à l'endroit de toutes les femmes de l'église, de l'Hypothèque. Amen. Donc, nous allons prendre le dernier jour pour aller visiter, je parle jeudi, aller visiter les prisonniers, ceux qui sont démunis, tout ça là. Parce que le Seigneur aussi est venu pour eux. Je ne suis pas venu pour les bien portants, je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour les prisonniers, les aveugles, ceux qui sont privés de la liberté, ceux qui sont privés de la grâce, de l'amour, de la joie. Il est venu pour ceux-là. Donc nous allons porter le message de la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux-là. Amen. Donc voilà un peu le plat, mais le menu qui sera offert à l'église de Libreville. Certainement l'Esprit de Dieu va encore donner deux menus cachés. Amen. Parce que la Bible dit que la fin de toujours vaut mieux que son commencement. Donc notre Dieu, c'est un Dieu qui est tort. Donc tu peux te dire, voilà, nous allons manger tel plat et il sert le plat, mais il donne encore un plat spécial. Amen. Donc je veux, ou je te prie, à venir maximum participer à tous ces programmes-là. Amen. Donc après le vendredi, déjà nous allons prendre les caps sur Port Gentil. Et les gens de Port Gentil sont tellement mobilisés. Ils sont pressés. Amen. En tout cas, le feu nous a déjà précédé. Le feu est déjà là-bas. Nous allons allumer ce feu à Port Gentil. Donc toutes les populations de Port Gentil, c'est votre programme est prévu pour vendredi 10 mai jusqu'au mercredi 15 mai. Amen. À Libreville, vous aurez plus de détails. On aura des moments de croisade, d'évangélisation. On aura des moments de combat, de prière, de délivrance. Donc, des moments de formation sur la sainte doctrine. C'est très important. Et ça va nous permettre d'établir l'église de Port Gentil. Donc, Port Gentil aura désormais son église. Gloire à Jésus. Donc, voilà un peu le programme détaillé. Gloire à Jésus. Et nous vous prions aussi à intercéder pour ce programme, parce que vous savez, le programme de l'ennemi ne veut pas que les enfants aient la lumière, mais une petite lumière là, il ne veut pas. Alléluia. Regardez cette église comment il a combattu, mais l'église est restée debout. Amen. On entend le Seigneur Jésus. Amen. Donc, le Seigneur Jésus nous a donné la victoire. Donc, certainement, le pasteur Joseph est là. Voilà, je suis venu, je suis pasteur pour la mission. Je suis venu avec le prophète Esras, que vous connaissez depuis le Cameroun, qui va me donner mes fonds pour le succès de cette mission. Oui, pasteur Joseph, certainement vous avez quelque chose à dire à nos frères et nos soeurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, bien-aimé, c'est le moment opportun, c'est le moment entendu, voilà, qui vous permet justement de, non seulement de vous réconcilier avec le Seigneur, mais aussi avec son œuvre. Et cette conciliation est très décisive parce que nous sommes
dans les derniers temps. Ça, c'est un message que vous connaissez bien. Et au niveau, ou alors à ceux qui sont à la recherche du Seigneur, à la fin du Seigneur, c'est le moment opportun de pouvoir venir dans une nouvelle ou alors une autre, un évangile qui sort de l'ordinaire par rapport à ce qu'ils ont rencontré au départ. Peut-être qu'ils ont été déçus après maintes recherches de la vérité, ils ont été déçus dans différentes assemblées ou dans différentes doctrines, mais c'est le moment où le Seigneur leur donne cette possibilité de se réconcilier avec eux. Donc c'est par cette occasion qu'ils doivent finalement venir s'approcher, prendre toutes les ressources nécessaires de la parole de Dieu, l'évangélisation qui va être faite et aussi l'édification voilà, qui est nécessaire parce que le découragement, la parole de Dieu dit que l'amour bannit la peur. Amen, c'est ça. Amen. L'amour bannit la peur. S'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des inquiétudes, il y a eu des peurs, des craintes, parce que certaines choses ont été rencontrées dans différentes assemblées. Mais je vous dis qu'il faut toujours espérer, le Seigneur n'abandonne pas, le Seigneur est toujours présent à côté de vous. Donc venez et vous serez encore réorienté dans l'évangile du Seigneur, dans l'évangile du salut et la sainte doctrine. Donc c'est vraiment un appel de masse, un appel et d'encouragement à venir pour vous ressourcer au travers de ce programme. Amen, amen. C'est tellement, vous faites, hein, Ezra va vous dire peut-être un shalom. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis vraiment le nom du Seigneur Jésus pour ce grand programme de réveil ici sur le territoire camerounais. Et comme vous avez écouté, vous avez suivi comment est-ce que la mission, comment est-ce que le réveil se déroulera. Par cela, j'invite aussi, je mets aussi ma voix pour inviter chacun de vous à vous connecter. Je mets aussi ma voix pour inviter chacun de vous à nous rejoindre pour prendre part vraiment à tout ce que le Seigneur Jésus a prévu. Je vous le dis en vérité, il y a beaucoup de choses que le Seigneur Jésus vous réserve. Il y a tellement de choses que le Seigneur Jésus vous réserve. Même pour toi qui depuis longtemps cherche Dieu, même pour toi qui depuis longtemps cherche la délivrance, je te le dis en vérité, c'est l'occasion de venir rencontrer ce Dieu-là qui délivre. Pour toi qui, à cause du fait qu'il cherche la délivrance, va voir des féticheurs, va voir des marabouts, c'est l'occasion pour toi de venir trouver la délivrance faite par le Seigneur Jésus-Christ et aussi de lui donner ta vie. Donc, je t'invite aussi, je vous invite massivement à prendre part à ce grand programme. Donc, je vous salue grandement, que le Seigneur Jésus bénisse chacun de vous. Shalom. Amen, amen. Donc, voilà, c'est une invitation. Le Seigneur t'invite. Si tu es fatigué de tes fardeaux, viens pour ce programme et tu seras déchargé. Soyez bénis. Shalom, shalom. 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 Shalom.